l'issue de la crise Covid, c'est vrai qu'on s'est dit avec mon directeur régional, ces jeunes qui avaient manifestement des difficultés à trouver un job, il nous paraissait important de leur tendre la main, d'essayer de faire quelque chose pour eux, mais qui aussi soit utile pour l'entreprise. C'est en ça que le dispositif tout de suite nous a intéressés. Et quand la région nous a sollicités, on s'est tout de suite inscrit dans leur projet. Le dispositif PASC, c'est un parcours qui permet l'acquisition des compétences pour des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui durent 6 mois et qui se passent en entreprise. L'intérêt de ce dispositif, c'était dans cette période particulière de toucher un public jeune auquel on ne pensait pas forcément ou auquel on n'avait pas forcément accès, notamment de jeunes qui cherchaient une première expérience professionnelle. Du coup, j'ai intégré les arts et métiers, donc une école d'ingénieur généraliste en 2017, après un cursus en classe préparatoire au lycée Faber de Metz. J'étais diplômé en 2020, après un stage de fin d'études dans l'aéronautique. Et c'est en février 2021 que j'ai découvert le dispositif PASC, avec un stage donc chez Veolia Eau, à la direction des opérations de Metz. Aujourd'hui, moi j'ai été embauché en tant qu'ingénieur projet technique, donc chez Veolia Eau, à la direction des opérations de la région Est. Et du coup, je travaille sur des projets divers liés à l'eau, donc notamment à l'assainissement et à l'eau potable. Depuis février, nous avons accueilli 4 jeunes en dispositif PASS. Le premier, Nicolas, il a été embauché assez rapidement finalement. Et puis nous avons 2 autres personnes qui sont arrivées aussi par le dispositif. L'une a trouvé un CDI dans une autre entreprise. Et puis la troisième a trouvé une alternance aussi dans une autre entreprise. Elles ont pu valoriser l'expérience qu'elles avaient acquise à nos côtés. Et puis on attend avec impatience l'arrivée du quatrième très bientôt dans ces prochains jours. Ce qui est déterminant, c'est l'aide que peut nous apporter la région Grand Est sur toute la partie mise en relation avec des candidats, l'accompagnement qu'ils ont pu fournir à nos opérationnels et à mes équipes dans la mise en œuvre effective de ces stages.